était dans la finance. Le commandant était dans l'industrie. Le capitaine était dans l'assurance. Et le lieutenant était dans l'épicerie. Le juteux était huissier de la Banque de France. Le sergent était boulanger-pâtissier. Le caporal était dans l'ignorance. Et le deuxième classe était rentier. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas. Ils n'en avaient plus l'habitude. Mais c'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, ont des gossions leur certificat d'études. Oui, tous ces braves gens sont partis chiquement pour faire tout comme jadis que leurs pères ont fait pour leurs fils. Rapapapapa, le colonel avait de l'albumine. Le commandant souffrait du gros colon. Le capitaine avait bien mauvaise mine. Et le lieutenant avait des ganglions. Le juteux souffrait de coliques néphrétiques. Le sergent avait le pylore atrophié. Le caporal, un coryza chronique. Et deuxième classe, des corps aux pieds. Et que ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas, oubliant dans cette aventure qu'ils étaient douillets, fragiles et délicats. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, prenaient des cachets, des gouttes et des mixtures, lèvent la bien portant, tout comme à 20 ans. D'où vient ce miracle-là, mais du pinard et du tabac. Le colonel était de l'action française. Le commandant était un modéré. Le capitaine était pour le diocèse. Et le lieutenant voulait du curé. Le juteux était un fervent extrémiste. Le sergent un socialiste convaincu. Le caporal inscrit sur toutes les listes. Et le deuxième classe au PMU. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas en pensant que la République, c'est encore le meilleur régime ici-bas. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, n'étaient pas du même avis en politique, lèvent à tous d'accord, quel que soit leur sort. Ils désirent tous désormais qu'on nous foute une bonne fois la paix.